Je l'ai vue près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit: c'est de rouler sur la colline qui rend les bergères jolies. Quand j'ai dit que je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller l'attendre sur la colline, de cueillir un joli bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai attendu, elle n'est jamais venue. Laï, 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 laï. Laï, laï. Que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier, et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. Laï, 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 laï. Laï, 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 laï. Laï, 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 laï. Laï, 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 laï. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Laï, 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 laï. Aïe, 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 hein. Je reconnais qu'à cette époque, les relations étaient toujours préhistériques. Il aurait fallu trouver un remède à ça. Bah, j'ai créé le mariage, dis. Bah, si on dit que l'amour rend aveugle, eh ben le mariage, c'est prouvé, hein. Il rend la vue. Le mariage, c'est la première cause de divorce. Je reconnais que ça permet de résoudre à deux des problèmes que j'avais pas tout seul. Oui, mais une fois marié, homme et femme ne font qu'un. Mais encore faut-il savoir lequel c'est. Moi, je connais que deux sortes de femmes. Celles qui trompent leur mari et celles qui disent que c'est pas vrai. Et je lui avais proposé le ménage à trois. Ah non, deux belles-mères, Dieu merci. Oui. La bigamie, c'est encore une femme de trop. Ben la monogamie aussi, hein. Et il n'était pas obligé d'inventer la monotonie. Alors pourquoi l'avoir choisie pour femme? J'avais rien à me mettre sous la dent. Quel ingrat! Il est le mari le plus heureux,